Salut tout le monde, cette année le Triboulot fête ses 40 ans, alors on va se gratter ça. Mais avant. On va se faire une petite rétrospective sur ce que ce jeu a rapporté à la loterie suisse romande. Et oui, on va parler de très gros chiffres et je peux vous dire que ça va faire mal. Alors, pour les plus douillets d'entre vous, je vous conseille d'en passer une deuxième couche. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Tout a commencé en 1937 quand la loterie suisse romande a été fondée. Dans le but d'organiser un racket, pardon. une loterie dont le bénéfice est restitué au profit de l'utilité publique. Bien sûr, après que ces personnes se soient servies pour payer leur modeste salaire. Et quand on fait le calcul de tout ça, on arrive facilement à des chiffres qui dépassent les centaines de milliards. Autrement dit, on peut dire qu'on les a bien nourris. Dans le genre, en ce moment, c'est lui qui conduit mon destin. Et en 1985, le Tribolo fait son apparition, vu son petit prix et la somme de 10 000 balles, forcément, ça attire du monde. Eh oui. Au début, le Tribolo, c'était 10 000 balles. Maintenant, ils l'ont passé à 20 000, mais on peut pas dire que ça change grand-chose. Et comme on peut le constater, rien qu'avec les jeux à gratter, ils arrivent à la maudite somme de 370 millions et des poussières. Qui viennent bien évidemment de... Pas mal quand même, hein. Donc ce jeu fête ses 40 ans cette année. Alors on va étudier un petit peu le nombre de billets vendus et la répartition des gains. Sur ce tableau, on peut constater qu'ils vendent 1 million de billets par série. Maintenant, combien ils font de séries par année, ça, j'ai pas réussi à le découvrir. On peut s'apercevoir que ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le lot à 20 000 francs, il n'y en a que deux. Le lot à 10 000, il n'y en a que deux aussi. Le lot à 5 000, ils en ont mis deux aussi. Ce qui nous fait une chance sur 500 000 de remporter un de ces trois gains. Autrement dit, tu te seras fait toucher par la foudre au moins trois fois avant de gagner le premier lot. Et puis là, on rentre enfin dans les lots qu'on peut espérer toucher, c'est-à-dire le 20, 10, 6, 4. Et le misérable 2 balles. Où là, ils ont quand même été sympas, ils ont mis 300 000 tickets gagnants sur 1 million, ce qui nous fait une chance sur 6,67 de remporter 2 francs. Wow. Allez, maintenant, on passe au grattage de ces tickets. Le tribolo, c'est pas compliqué, tu grattes la case qui est ici, et puis il faut que tu découvres trois fois la même somme. Et là, exceptionnellement, pour les 40 ans, ils nous ont rajouté une case. J'en ai pris 10, allez, on commence avec le premier. Avec 10 francs, donc, ah, c'est bien parti, 10 balles. 1-2, 1-2, logiquement, on a des chances. Ah, 5 000, oula, par contre, c'est pas cool. 200, mince, on s'éloigne du but. 20 000, 10 000, et puis la petite case surprise qui nous amènera à rien, puisque de toute façon, on n'avait pas deux fois le même chiffre. Voilà, donc le premier ticket, c'est foutu. Deuxième ticket, on commence avec un 100, aïe, 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 un 6. Alors, un 6, c'est possible. On a un 1 000, 20 000, aïe, 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 un 100. Alors, il nous faudrait un troisième 100. Un 6 ou un troisième 6. Un 100 ou un 6, voilà. Personnellement, je crois plus au 6. Et c'est un 6. Waouh! Deuxième ticket et j'ai déjà un gain de 6 francs. Alors là, magnifique. Du coup, on enchaîne le troisième ticket dans la joie et la bonne humeur avec un 200, un 50. Un 50, c'est peut-être possible. Ben 20 000, non, bien sûr, évidemment. 10 000 non plus. 10 000. Alors, un troisième 10 000 ou un troisième 20 000. Oh, oh, oh. Eh ben non, ce sera un 100. Donc, quatrième ticket. Allez, ça serait bien qu'il me redonne quelque chose quand même. Au bout de tout ce temps, juste 6 balles, quelle misère. Alors, 10 000, 20 000, un 4. Allez, un 4, c'est possible. Hein, on a 1 000, on a 10, on a 4. Allez, un 4, un 4, et non, même pas, il me donne un 4, il me refout un 20 000. Bon. On enchaîne avec le cinquième ticket, avec un 10, 500 et 10 000 qui nous amènent à rien, à part le 10 peut-être, le 50, un 10, ah ah ah, alors un 10, allez, ça serait cool, 10 balles, franchement. 1 000. Non, non, c'est pas un 10, et puis le petit dernier, allez, 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 eh ben non, il nous colle un 20 000 forcément, donc... C'est pas notre 10 rêvé. Sixième ticket. Oh là là, on commence mal. 20 000, 500, 10 000. Oh là là, ouais, non, ça c'est un ticket pourri. Il est foutu. 100. C'est cuit, donc même gratter la dernière case, de toute façon, il n'y a que le 20 000, tu vois, donc. Voilà, 50. Allez, pff, dégage, on ne veut plus te voir. Septième ticket.
C'est parti, avec un 100, un 6. Allez, encore un 6, ça serait cool. 20 000, un 6. Ah ouais, alors là, je le sens bien. Je sens qu'on va encore faire sauter un 6. Un 500, évidemment. Ah, ah bah ouais, je vois déjà le 6. Ouais, cool. Alors, donc du coup, ça nous fait 12 de gains. Bien cool. 8e ticket, on commence avec un 100. On enchaîne avec le 10 000. 20 000, oh, ça va être encore un ticket misère comme tout à l'heure. 1 000, ah non, c'est fou. 20 000, et puis voilà, donc un 200. On s'attend pas plus là-dessus. On enchaîne direct avec le 9e et avant-dernier ticket, ça commence très très mal. 20 000, 5 000, non, 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 non. 6. Ah. Alors le 6, c'est pas trop mal. D'ailleurs, même si on avait un 6, on serait encore en déficit de 2 francs. Et bien, de toute façon, on n'aura absolument rien. Et le dernier ticket, alors les gains vont-ils être au rendez-vous? Allez, on commence. 100. Aïe, 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 aïe. 2. Ah, ils vont me les donner. 2, je sens qu'ils vont me donner 2. Allez, 2. Ils sont pas foutus de me donner 2 balles dans le dernier ticket, quoi. Voilà, donc bah, je souhaite bon anniversaire au jeu Tribolo pour ses 40 ans. Et puis, comme d'habitude, j'ai bien participé à la fête en perdant 8 balles. Sur ce, les amis, soyez prudents en grattant ce genre de saloperie. Essayez d'être raisonnable et y passez pas tout votre pognon. Et en attendant, je vous souhaite quand même de gagner un énorme gain. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!